En ce week-end du 17 et 18 mai se déroulait à Villeneuve-d'Ascq la Coupe de France de Cécifoot. 19 équipes s'affrontaient dans les deux catégories avec à la clé le titre de champion de France à décrocher. La Coupe de France a démarré au Cécifoot en 2000, après la mise en place du championnat, pour coller à la réalité du foot français. Donc on a mis en place la première Coupe de France en 2000. Cette année, c'est la 14e édition qui rassemble encore une fois sur un week-end l'ensemble des équipes en B2, B3 et en B1. Et comme je l'ai dit, un côté open pour les nos voisins belges. C'est une compétition qui a les mêmes particularités également que la Coupe de France valide. Il y a toujours les surprises puisque les petits essaient de faire tomber les gros. On va dire qu'après une domination en B1 de Saint-Mandé au début et du HAC en B2, B3 dans les débuts également, dernièrement, donc c'est Bordeaux qui a pris l'ascendant, qui fait souvent les doublés championnats et coupes. Et l'année dernière, c'est Boulogne qui avait remporté le titre. Et avant de revenir sur les résultats de la compétition, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les spécificités de cette discipline paralympique qu'est le cécifoot. Alors, c'est juste des adaptations parce qu'il n'y a pas énormément de règles, de différences par rapport aux règles. Ils jouent avec un ballon. Bon, là, pour la catégorie des aveugles, c'est ce qu'il y a de plus marquant en tous les cas. Pour le public, c'est donc un ballon qui a des grelots. Et puis, ils ont des barrières latérales de façon à ce que le jeu soit assez fluide. Sinon, on va retrouver les mêmes caractéristiques avec des fautes, des tirages de maillot, des tacles, ça peut arriver également. Et puis, un système aussi un peu différent du foot classique, mais qu'on retrouve au futsal, c'est un comptage des fautes. Ça m'a vraiment permet, ça m'a aidé à être vraiment autonome, parce que comme vous voyez, on court sur le terrain, je vais pas dire sans repères, mais en tout cas on n'a pas beaucoup de repères, on n'a pas de canne, on n'a pas de canne blanche, on n'a pas de chien guide, donc en fait le fait d'être autonome dans un espace comme ça, sans canne, sans, en fait ça nous aide à être autonome à l'extérieur aussi. Donc c'est la première approche que je vais souligner. Après il y en a des dizaines derrière, il y a le partage, il y a le fait de rencontrer d'autres gens, de sortir un peu, d'être dans la société en fait. Et puis surtout de se donner les moyens et les chances en fait de toujours aller chercher le meilleur en soi. Les résultats de cette Coupe de France 2014 avec tout d'abord dans la catégorie B1, la victoire de Bordeaux qui s'impose 2-0 en finale face à Saint-Mandé. Dans la catégorie B2, B3, c'est le HAC, Le Havre, qui remporte le trophée aux dépens de Villeurbanne. Victoire du HAC, 3-0. Prochain rendez-vous international pour l'équipe de France de Cécifoot, ce sera au mois de novembre pour les championnats du monde et ça se passera au Japon.